Bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. Pour bien introduire le sujet de notre émission aujourd'hui, qui concerne l'Évangile de la grâce, voici la vidéo que nous avons utilisée pour notre série d'émissions l'an dernier. Une image vaut mille mots. La question de notre Vox Pop cette semaine, que faut-il faire pour aller au ciel? Des bonnes choses. Ben, moi, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est en autant qu'on fasse une bonne vie. C'est sûr que c'est bon de vivre une vie comme correcte, faire des bonnes choses, bon travail. Il faut être gentil. Mais je pense pas, non. Je pense que ça va se décider tout seul. Ben, si t'as vécu d'une bonne façon, si t'as pas fait de peine à personne, si t'as pas commis une meurtre... Moi, je pense que j'irai pas. j'ai trop fait de péché, je pense. Je pense que j'irai pas, mais je pense que d'après moi, il faudrait être aider les autres et être une bonne personne, d'après moi, pour y aller. Là. Ou à moins que t'arrives en haut et qu'ils te pardonnent tout, là, même si t'étais le pire voleur qu'il y a pas. Ou, ben... Faudrait être, je sais pas... Faut croire. Premièrement, faut croire. J'espère que c'est les bonnes personnes qui sont là. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Valérie. La plupart des gens tout à l'heure ont parlé de la nécessité de la religion ou même de faire des bonnes actions pour accéder au ciel. Bien, je pense que les gens disent ce qu'ils croient. Et si tu as remarqué, moi j'ai écouté attentivement le Vox Pop, puis chacune des personnes disait sensiblement la même chose. Peut-être pas de la même façon, mais il y a un fil conducteur à toutes ces personnes-là. Et ils disent toujours la même chose. Pour aller au ciel, il faut faire des bonnes choses, il faut devenir une meilleure personne. T'sais, on ne pourra jamais rentrer au ciel comme on est. Donc, ça veut dire qu'ils sont conscients, on est conscient fondamentalement qu'on n'est pas prêt à entrer au ciel. C'est une première vérité. Et la deuxième, c'est qu'on croit tous que pour accéder au ciel, il faut faire quelque chose. Mmh. Et ça, c'est commun à tous les êtres humains sur la planète. C'est intéressant parce que toutes les religions, prenons-les quelle qu'elle soit, que ce soit même le christianisme qui est devenu religieux, que ce soit l'islam, que ce soit le bouddhisme, que ce soit... Peu importe la religion, ça marche tout sur le même principe. Faire des bonnes choses pour mériter. Et c'est pour ça que quand j'étais jeune, je me rappelle, moi j'ai été élevé avec une phrase que j'entendais régulièrement, la phrase « gagner son ciel ». Tu sais, il fallait être bon, mais un bon petit gars pour gagner son ciel. Il fallait faire de bonnes choses pour gagner son ciel. Et à l'époque, les mamans ici au Québec qui avaient de nombreuses familles, qui avaient eu beaucoup d'enfants, ben, on disait, elle a eu 18 enfants, elle a gagné son ciel. T'sais? Donc, ce qu'on avait fait de bon nous méritait le ciel. Mais c'est partout pareil. Et à travers la planète, le principe, c'est le principe de la religion, finalement. Et quand on ouvre la Bible et qu'on est confronté à l'idée de la grâce, on devient tout déconcerté, parce que c'est pas normal. On fonctionne sur le principe du mérite, et là, Dieu nous dit, garde, ça concerne pas tes mérites, c'est un cadeau que je te donne. Je te donne la vie éternelle. Alors, c'est pour ça que, finalement, c'est difficile et c'est presque impossible. Si Dieu ne nous révèle pas l'idée de la grâce, ça viendra pas de nous, c'est impossible. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Alors, encore une fois, je vous invite à la maison à réagir en nous faisant part de vos commentaires. Vous pouvez nous écrire à l'heure de la bonne nouvelle, casier postal 26006, Trois-Rivières, Québec, G8Y7M1, ou par téléphone au 1-866-509-1319, ou encore par courriel à info@hbn.ca.